So I acknowledge that I live and work on the unceded territory of the Ganyan Gahana Nation, a place which has long been a site of meeting and exchange among many First Nations. I now pass the mic to my teacher, Miss Nicolette. Bonjour, bienvenue. Hi, hello everybody. My name is Laura Nicolet. I teach French. And on behalf of Vanier Histoire et Fiction team, I wish you a very warm welcome to our ebook lunch as part of the 50th anniversary of the CIFEF. Today's event is about the work of 220 students who gathered their knowledge on the history and the architecture of the campus, their talents, their energy, in order to put this put together this first fictional ebook about Vanier College, entirely written and illustrated by our students. We are happy to see that you took the time to join us in order to discover these 60 short stories and more than 30 illustrations, and of course, in order to congratulate our young authors and artists. Our special thanks to Maud-Félix Gagnon here with us today, representing the office of Marwa Aritzky, member of the National Assembly for St. Lawrence. Special thanks as well to our directors, deans, fellow teachers, colleagues, friends, and families attending this event. The project Vanier Histoire et Fiction was developed during 2 years at the initiative of three teachers: Isabelle Desraprins-Amiens from the French department, Owen Wood from Communication, Media, and Studio Arts, and myself, Laura Nicolet. And it receives the generous support and guidance of the Pedagogical Support and Innovation Office. Without further ado, I would like to introduce the meet in charge of this ebook launch. You already met the teachers who took care of the pedagogical aspect. Now is the time to meet the students. So we have here with us today Noor Djetta, Francis Dean, Merwan Issad, and they will share their experience regarding the project and read to you an extract of their short stories. Azar Nadine Saidu is in charge of the technical support of the meeting, and David Emmanuel Lopez Munoz crafted the graphic design of the book. I truly hope that our project build following the guidelines of the Universal Design for Learning and of the Inclusive Pedagogy will help you to rediscover our campus, its history, its secrets, details of it, its architecture that you may never have noticed before. I hope as well that the reading of this book will bring a smile on your face, a new perception, and a new look on our CIGEP. And of course, I hope that we'll be able to recreate and strengthen through this artistic and literary attempt a sense of belonging to Vanier College. So I will gently switch right now in French, because our book is written entirely in French. And je vais inviter ma collègue Isabelle Desraprins-Amiens. Excuse-moi, Isabelle, là, tu peux pas imaginer les émotions maintenant. Alors, j'invite ma collègue Isabelle Desraprins-Amiens de prendre la parole. Merci. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue au lancement de notre livre électronique « Histoires et fictions », qui a entièrement été écrit et illustré par notre population étudiante. Tout d'abord, j'aimerais remercier ma collègue, Laura Nicolet, qui a été l'instigatrice, l'âme et la force rassembleuse pour ce projet collaboratif visant à souligner le 50e anniversaire du Collège Vanier. Inspirée par les photos d'époque et l'histoire du Collège, nos étudiantes et étudiants ont créé des histoires empreintes de mystère et de suspense. Ces nouvelles ont, à leur tour, inspiré des illustrations et des photos de la part des élèves en art. Bref, de sa conception à sa finalisation, ce projet a été entièrement le fruit de collaborations diverses. Le processus de création de nouvelles s'est remarquablement bien déroulé et, à ma grande surprise, toutes les équipes, auto-formées, ont respecté leur date de remise sans rappel de ma part. Dès la lecture en classe de la première nouvelle, l'intérêt piqué à vif,
Mes élèves ont été fascinés par les histoires rocambolesques écrites par leurs camarades, ce qui a eu un effet d'entraînement où chaque équipe a voulu faire preuve de créativité. Cette lecture à voix haute a également eu un effet collatéral, celui de faciliter l'autocorrection. Les nouvelles ont ensuite été soumises à notre collègue Owen Wood, qui vous détaillera le processus créatif de ses élèves, autant pour l'illustration des nouvelles que pour les photos visant à mettre en valeur, sous divers angles, l'architecture du collège. Je vous souhaite une bonne lecture, mais en attendant, je vous cède la parole à mon collègue Owen Wood. Merci beaucoup, Isabelle et Laura. Je suis Owen Wood. Je travaille au département de communication, médias et studio art. Alors, mon français est terrible. Je vais parler en anglais. Before I forget, I want to thank all of my students for doing this wonderful work. What you're seeing right now are the illustrations that were designed by my design students last semester, who got pieces of stories and got to choose which story they wanted to illustrate. And then this semester, we were lucky to have more time to do this project. In the fall semester. So I got some of my photo students to meet on campus during the pandemic, which meant we had to be limited to being outside, wearing masks, but I got them to walk around and explore the architecture of the Vanier campus and really to look at the textures, the shapes, the colors, the formal qualities of these buildings and spaces that we see every day and try to capture them in a new way from a new perspective to really appreciate the aesthetic beauty of these spaces. So together, the illustrations and the photography are there for the visual support of the stories that were written in the book. This experience has been quite wonderful, I know, for all of us. I'm a optimist, so I always like to look for the positive parts of a situation like the pandemic. But right from the beginning, when I started working at Vanier 4 years ago, I was lucky to be in a department where I have other art teachers like Henri and Keith, who are actually with us right now, who not only are amazing in the classroom, but they do things to get the artwork outside of the classroom into spaces where people can see. So Henri and Keith created the student gallery that we have, and they also work to create grants where students can get money for their work, and then that work is purchased by the school and displayed throughout the campus. So I thought being part of this French book was another great opportunity for students to create work that is actually like goes outside of the classroom and beyond just being a project to being something that other people can see. So I think that's a wonderful opportunity. And of course, this pandemical situation and teaching online has presented its own challenges. But on the flip side, I've learned a lot from doing this collaboration where we're doing something like way kind of above and beyond what we normally do and in a very difficult situation. So you find clever, innovative ways to solve problems that I think we can start or continue using even when we get back in the classroom. So thank you for everyone who collaborated on this. Thank you for all of you for taking an interest in joining our meeting. And thanks for the students for surviving and creating all the work for this book. Now I'd like to introduce our first student, Noor Jetta, who's going to tell you about her experience with this project. Donc, bonjour, je m'appelle Noor. J'ai écrit avec mes partenaires Marie-Lou Grenier, Alicia Gandhi et Valeria Dolgaliova. Nous avions écrit l'histoire intitulée Le triomphe de Thérèse. Notre bâtiment était celui du complexe sportif, donc le G-Building. Et notre histoire, elle parle d'une femme autochtone qui subit de l'intimidation et de la discrimination
parce qu'elle veut faire partie de l'équipe de football de l'école, en fait. Et donc, parce que c'est une femme et parce qu'elle est autochtone, elle subit de la discrimination et de l'intimidation. Tandis que son petit ami est métisse et a la peau plus claire qu'elle. Et lui, en fait, il se fait traiter normalement, entre guillemets. Donc, cette histoire, elle touche sur des aspects qui sont très importants, comme le sexisme, autant le sexisme que même le racisme. Et c'est quelque chose que les Autochtones ont dû subir depuis plusieurs centaines d'années, malheureusement, et qui subissent d'ailleurs toujours aujourd'hui. Et en fait, certains le savent, certains ne le savent pas, mais le Collège Vanier a été construit sur un terrain autochtone. Et il y a même une association autochtone ici au Collège. Donc, mon équipe et moi avions pensé que ce serait une bonne idée d'honorer cette culture qui est si mise de côté, en fait, et ignorée, malheureusement. Donc, tout le monde avait beaucoup d'idées de comment procéder, de quoi parler, comment écrire notre histoire. Donc, c'était un peu dur de se mettre en accord. Mais je pense que l'idée que nous avions le plus aimée était celle de Marie-Lou, celle d'inclure l'histoire de la première équipe sportive féminine de Vanier. Donc, Marie-Lou aussi, elle faisait partie d'une équipe sportive. Donc, je pense que c'est pour ça qu'elle a eu l'idée. Puis, ben, je pense qu'on s'est bien débrouillé. Enfin, j'espère. Vous nous laisserez savoir après avoir lu. Donc, j'aimerais partager un petit extrait de notre histoire. En fait, c'est moi, personnellement, c'est mon extrait préféré parce que ça démontre, en fait, c'est vers la fin et ça démontre vraiment la morale de l'histoire et pourquoi cette histoire est en fait importante. Donc, je vais commencer l'extrait. L'entraîneur offre le trophée à Thérèse et lui demande pardon pour tous ses commentaires négatifs pendant les sélections. Il lui demande de faire partie de l'équipe et la fille accepte. Marquez la date d'aujourd'hui dans vos calendriers, les amis, car le 29 septembre 2021, Thérèse Obamsawin est devenue officiellement une cheetah. Ceci fut le début des équipes de football féminines au Cégep Vanier, ayant Thérèse Obamsawin comme première capitaine d'équipe autochtone et de sexe féminin. Donc, c'était tout pour mon petit discours. Je vous invite à lire le livre et me dire ce que vous en pensez. Donc maintenant, je vais passer la parole à mon collègue Francis. Merci Nour. Et donc, bonjour à tous. Je m'appelle Francis Dean. Je suis un élève en sciences de la santé et un membre du Vanier Key Society, entre autres. L'an passé, pendant la session d'hiver, j'ai eu la chance de participer à ce projet d'écriture. Avec mes partenaires Pisei Van Vadana Nguyen et Abderrahmane Mouamou, j'ai pu écrire une petite histoire d'amour qui porte sur l'Observatoire astronomique de Vanier, accessible à tous les étudiants qui choisissent le cours d'astronomie et d'astrophysique. De ce que je me souviens, nous avons choisi d'écrire au sujet de l'Observatoire parce que c'est une des parties les plus évidemment intrigantes du collège. La majorité des étudiants passent leur cégep entier sans savoir qu'il y a un télescope au sommet du pavillon A. Et, en plus du télescope, il y a un dôme ouvrable qu'on a pu voir en action. Et à mon avis, le fait qu'on a la possibilité de s'ouvrir au corps céleste est simplement magnifique. Mes coéquipiers ont décidé d'écrire une petite histoire d'amour parce que, enfin, c'est le sujet le plus simple à écrire. Malgré le cliché de la romance et des étoiles, je trouve que nous avons réussi à créer une intrigue qui n'est pas uniquement basée sur l'amour. Van a proposé la structure du texte et Abdel et moi avons chacun contribué de différentes manières au texte. De mon côté, j'ai fait un effort pour embellir l'histoire du mieux que je pouvais. En voici un petit extrait. De retour à Montréal,
dans mon appartement familial, heureusement, je n'ai pas tardé à me renseigner sur l'astronomie et ses secrets. Puisque c'était bientôt l'anniversaire de Caroline, devenue ma copine après nos vacances d'été ensemble, je m'étais donné le devoir de lui trouver un cadeau digne de son amour. Il était donc hors de question pour moi de lui acheter un simple vinyle des Rolling Stones, quoique c'était peut-être tout ce que je pouvais me permettre de procurer avec mon maigre portefeuille. C'était un article du journal qui m'a ouvert les yeux sur la situation. Le Cégep Vanier, nouvellement établi en 1970 comme étant le deuxième cégep anglophone du Québec, venait de construire un observatoire au sommet du bâtiment que l'on connaît aujourd'hui comme étant le pavillon A. Pour le reste de l'histoire, je vous laisserai le découvrir vous-même à travers cet e-book. Cela étant dit, j'aimerais passer la parole à mon collègue Merwan. Merci. Bonjour, je m'appelle Merwan Issad. J'ai participé au projet durant la session d'automne 2019 et mon collègue s'appelle Patricio Pacheco. Donc nous, on a décidé d'écrire notre histoire sur les tunnels de Vanier. Ils étaient construits en 1960 et ils connectent le bâtiment C jusqu'au cégep Saint-Laurent. Peu d'étudiants savent que ce type d'infrastructure au collège, donc on a trouvé qu'il serait intéressant de baser notre histoire sur ces tunnels-là et de lui donner un côté plus mystérieux et plus fantastique. Eh bien, donc notre histoire s'intitule « Le voyage au-delà du temps » et voilà un petit résumé. Paul et Victor sont deux étudiants à Vanier et pour leur cours de français, ils doivent écrire un texte sur un aspect intéressant du campus. Pour avoir de l'inspiration, ils décident alors de visiter les bâtiments qui sont sur le campus. Et alors qu'ils exploraient le sous-sol du collège, ils découvrent l'entrée des tunnels qui ne sont plus barricadés. C'est une histoire que même après les 2 ans que j'ai écrit, je me rappelle encore, tellement j'ai passé des bons moments à l'écrire. Et donc, j'aimerais raconter le passage qui m'a marqué le plus et que je me rappelle le plus. Les ados fixaient l'entrée avec hésitation. Le silence rendait l'atmosphère plutôt lugubre. Alors, on fait quoi? Dit Paul. Eh bien, on n'est pas venu pour rien. Allez, viens. Ils s'élancèrent dans le sombre tunnel faiblement éclairé par des ampoules fluo compactes. Pris par un mélange de curiosité et de peur, les jeunes suivirent le long passage parsemé d'objets abandonnés comme des vieux portraits poussiéreux, une étagère en mauvais état et des piles de livres épais. Mais très rapidement, le décor commença à changer. Le tunnel était beaucoup plus profond qu'ils l'avaient anticipé. Alors qu'ils avançaient plus profondément, la tuyauterie disparaissait. Les murs se dégageaient et les débris augmentaient en nombre. C'est comme s'ils passaient vers une autre dimension. Après quelques minutes, ils arrivèrent à la fin du tunnel. Les garçons se retrouvèrent dans une sorte de petite pièce abandonnée par le temps. Les toiles d'araignée et l'érosion décoraient les murs en pierre grossière. Ils avaient bien marché pendant 5 minutes, mais ils étaient de retour au point de départ, devant l'entrée du tunnel. À ce moment, les étudiants savaient que quelque chose n'allait pas bien du tout. Moi et mon coéquipier, Patricio, avons pris une image alors qu'on visitait le collège. Et c'était une image qu'on a prise pour nous rappeler tous les bons moments qu'on a passés à écrire l'histoire et à notre visite du collège pour en savoir plus sur sa culture. Et donc, j'aimerais beaucoup remercier notre prof, Madame Laura, pour nous avoir donné l'opportunité de participer au projet et d'écrire une histoire que j'espère je vais toujours m'en rappeler. J'aimerais aussi lui passer la parole. Merci. Merci beaucoup, Merwan. Mais merci à vous tous, là. Vous pouvez imaginer, moi, j'ai déjà lu ça 1 million de fois, là, mais je suis encore émue de les entendre parler du projet. Le livre que nous vous présentons aujourd'hui, en fait, vous voyez, c'est le fruit de 2 ans d'efforts, de détermination et de résilience aussi, parce qu'on l'a travaillé, on l'a fini en conditions de pandémie.
et témoigne de notre ouverture pour une approche pédagogique inclusive, pour l'écriture créative et aussi pour cette collaboration multidisciplinaire. Notre objectif en tant que prof a été de faire découvrir aux étudiants l'histoire de cette terre ancestrale de la nation Ganyengehaga, ainsi que le patrimoine centenaire du collège. Mais je suis contente là que nos étudiants savent maintenant que sur le campus, il y a un observatoire astronomique, il y a des tunnels cachés, il y a même une cloche arrivée de l'Europe en 1905 et prénommée Marie-Anne-Adolphe-Justine. Il y a d'autres vestiges aussi qui avoisinent les 200 ans et qui attendent encore à être découverts et mis en valeur. C'est pour cette raison que la structure du livre suit en grande ligne celle du campus, et c'est pour ça que les chapitres sont inspirés par le nom des bâtiments du collège. J'aimerais donc remercier premièrement à tous les étudiants. Je sais qu'il y a un grand nombre qui sont déjà à l'université, d'autres vont finir leurs études ce printemps. Alors, félicitations à vous tous. Merci aussi à Nour, Francis, Merwan et Azar qui se sont portés volontaires pour faire part de leur expérience aujourd'hui et qui nous ont aidés à préparer le lancement. Je remercie également mes collaborateurs directs, Isabelle Deraprin-Amien, Owen Wood, David Emmanuel López-Muñoz, qui n'ont pas reculé devant les défis de notre tâche. Et je tiens à souligner que rien n'aurait été possible sans aide de tout cela et sans ce travail conjoint où les étudiants ont été vraiment nos partenaires. Je remercie également à Isabelle Delisle, à Elana Cooperberg, à Angela Vavasis, Julia Hall et Ati Waxman qui ont soutenu et ont encouragé notre travail dès le début. Un grand merci aussi à Daniel Altidor et à Wissam Chaya qui ont partagé avec nous leur expérience, et Wissam Chaya a mis à notre disposition l'observatoire astronomique pour les visites. Ils ont enrichi beaucoup notre travail de création. Enfin, un grand merci à Suzanne Bissonnette, à Joël Gauthier, à Bruce Norton, à Marguerite Corriveau, à Sophia Orsag et Paula Price qui ont assuré à leur façon la réussite de cet événement. Comme vous le savez, à partir d'aujourd'hui, le livre est disponible sur le site internet du Collège Vanier. Il y aura aussi une version papier qui sera disponible pour nos finissants au printemps 2021. Je vous souhaite à tous une très, très bonne lecture. Je vous souhaite de vous reconnaître et de vous amuser en lisant toutes ces histoires. Je tiens à saluer aussi les autres étudiants qui sont maintenant en ligne. Ils n'ont pas parlé, mais ils savent là que j'ai beaucoup aimé leurs histoires aussi. Et puis, je vais demander à Hazard de mettre à votre disposition le micro pour partager, si vous voulez, quelques commentaires et surtout pour féliciter les jeunes là pour un tel travail. Merci.